Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de nouvelles sur mon serveur, donc je le fais tout seul, vous inquiétez pas. Mon serveur a une nouvelle très importante à vous dire. J'ai un passage au 1.6.2, donc ça va ravir certaines personnes et tout. Donc j'ai descendu aussi les places à 300, même si je peux avoir les places illimitées, j'ai descendu à 300 pour limiter un peu. On a construit de nouvelles choses, par exemple en bâtiment une église. Oui, vous avez trouvé que ça con, mais voilà. Bon, je suis en train de mettre flash login, mais je vous le cacherai pour éviter hein, que vous venez sur mon truc. Donc, comme truc, on va mettre le jour. Donc, on a une église de nouvelles. Il y a aussi un parc qui a été construit. Une arène PVP. Dont il y a un portail au spawn. Je vais vous faire voir l'arène. Spécialement, c'est moi qui l'a fait construire. C'est moi qui l'a construite, l'arène. Voilà les deux belles épées qui ont été faites par Simba 7. Hein. Moi je trouve beau, c'est moi qui ai un peu terminé, car j'ai trouvé qu'il manquait quelques petits trucs. Et voici l'arène. Attendez. Pour éviter de casser. Ah. Voilà. Une arène PVP, où vous pouvez battre. Au minimum 2 vs 2, 1 vs 1. Mais pas trop de personnes, ça fait un peu chier quand même. Bon, là je suis derrière une marche, ok. Trop cool. Hop, voilà. Bon, désolé, je bug un petit peu. J'en suis vraiment désolé. Donc, il y a aussi des cultives. Donc, voilà. Si vous trouvez beau mon texture pack, n'hésitez pas à me demander le nom. Au pire, je vous mettrai un lien pour le télécharger dans la truc description. Donc là, une superbe fontaine de Supernova 27. Que je trouve assez beau. Pour ma part, bien sûr. On a aussi une arène PVP, dans une arène contre les mobs. En fait, vous allez de 1 jusqu'à ce que vous voulez, et vous choisissez votre classe. Il y en a au minimum 5 ou 7. Hein. Je vous ai déjà fait une vidéo, normalement. J'en suis pas sûr. Je crois pas me souvenir. Non, je crois pas. En fait, vous jouez contre les mobs et à chaque fois que vous avancez de niveau, ben voilà. Merde. Donc à chaque fois que vous avancez de niveau, voilà. Il y a aussi peut-être, je crois, PVP level. À chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous avancez d'un level. Et ça vous fait gagner tout ce que vous voulez. Donc après tout ce qui est mine publique ou hôtel ou tout ce que vous voulez, ça a déjà été fait. Donc à vous de visiter. Hein. Donc voilà. Je sais que là il y a du monde qui va sûrement venir car le serveur est passé en 1.6.2. Ce que beaucoup de personnes demandaient sûrement et voulaient que je passe mon serveur en 1.6.2 étant donné que voilà. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à aller dans ma petite mairie qui est juste à côté du spawn pour mettre vos recommandations ou vos plaintes. Hein. Surtout, il y a deux choses de nouveau. J'ai ajouté deux plugins, un anti too many items, si vous allez comprendre pourquoi. Car cependant, j'ai vu plein de personnes ben, non pas acheter des objets mais les utiliser par paquet 64. Donc je me suis dit, ça c'est du too many items.
Et j'ai eu aussi des personnes vraiment très bêtes, car elles savaient pas qu'on était là. En fait, il y a un jour, je me suis mis en vanish et tout, je me suis mis tout caché et tout. Et j'étais en train d'espionner mon serveur. Et devinez quoi, j'ai trouvé deux personnes qui étaient en train de israiller. À chaque fois, ils creusaient ou qu'il y avait, bah, par exemple, de l'or ou et tout. Ou sinon, quelque chose qui, bah, qui tape automatiquement et tout. Voilà. Il y aura aussi un anti-nodus sur le serveur, donc n'hésitez pas à venir avec votre anti-nodus, vous allez vous faire ban direct. Vous allez rien comprendre. Ça, je vous préviens. Je recherche aussi des hashtags pour pouvoir me permettre de trouver plein d'idées, parce que là je suis un peu en vague d'idées et je ne sais pas encore trop qu'est-ce qu'on peut construire. Ah voilà, je sais qu'est-ce qu'on peut construire. Un Hunger Games, j'aurais besoin de personnes qui savent bien les faire, mais vraiment bien. Et les personnes qui me font ça avec perfection seront recommandées par un petit GM, hein. Donc GM créative pour pouvoir faire ça leur propre maison. Que leur propre maison, après ils seront des GM. C'est juste pour permettre d'avoir quelques objets et d'appuyer sur les autres. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Les events arriveront très bientôt. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le prochain event que je ferai, ça sera une chasse au trésor. Donc devinez avec quoi je ferai la chasse au trésor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver ça bien et tout. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques précisions de plus. Donc voilà. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le serveur. Donc allez, ciao ciao tout le monde. Bye bye.